vous prenez par exemple le fameux truc, pas mal d'ouvriers qui, dans les années 60-70, votaient communistes, un certain nombre d'entre eux, pas autant qu'on le dit d'ailleurs, mais quand même un nombre négligeable d'entre eux, se sont mis à voter FN dans les années 80-90. Est-ce que ces gens-là se sont mis à voter FN parce qu'il y avait, entre autres choses, à la télé, des médias qui étaient assez droitiers, qui commençaient à promouvoir des thèmes identitaires ou des thèmes lepénistes? Est-ce que ça, c'est ça qui a fait basculer quelques ouvriers communistes du côté du FN, comme c'est beaucoup arrivé dans le Nord, par exemple, pas loin, enfin ici, quoi, enfin autour de Lille? Eh bien, je crois pas. Je crois pas que... Dieu sait si les médias sont de droite depuis longtemps. Dieu sait s'ils ont beaucoup fait pour que se généralise le thème identitaire. Hein. Ils en ont fait des caisses hein, sur le voile, l'islam, blabla. Mais je crois que ce qui s'est passé essentiellement pour cet ouvrier, c'est que d'abord il a été mis au chômage, il a été précarisé, il a été délocalisé, il s'est retrouvé en insécurité sociale et laquelle s'est exacerbée peut-être en insécurité culturelle, comme on dit, et c'est ce qui lui a rendu le FN sympathique. Moi, je crois que dans la donne, les médias sont vraiment quantité négligeable.